Donc, nous parlerons d'Esperachet, genre Borrelia. Ce sont Borrelia qui causent la fièvre récurrente et la maladie de Lyme. Il existe 36 espèces connues de Borrelia. Les Borrelia qui sont importants agents pathogènes pour humains sont Borrelia burgdorferi qui provoque la maladie de Lyme et Borrelia recurrentis qui provoque la fièvre récurrente. Borrelia recurrente est l'agent pathogène de la fièvre récurrente transmis par les poux. Comme le nom indique, la fièvre est fluctuante, qui est expliquée par les changements dans les parasites et les tentatives du système immunitaire de la contrôler. Il change les antigènes de surface pendant la croissance, de sorte que dans le temps, les anticorps initiaux deviennent inutiles. Ces cellules modifiées antigéniquement survivent, se multiplient et provoquent une deuxième vague de symptômes. Dans quelques temps, le système immunitaire forme de nouveaux anticorps, mais il est bientôt confronté à une autre forme antigénique. Une seule souche peut générer 24 types sérologiques distincts. Finalement, l'immunité cumulative contre les variétés d'antigènes se développe et la récupération complète se produit. Borrelia burgdorferi, la maladie de Lyme, nommée pour le bactériologiste français Borrel Amédée et un spécialiste en maladie transmise paralytique Willy burgdorferi. La bactérie peut modifier ses protéines de membrane externe via un arrangement génétique et émerge comme variante antigénique différente, ce qui rend plus difficile au système immunitaire d'éliminer l'organisme du sang. Morphologie de 4 de 30 microns de long, spirulée avec 3 ou 10 spires irrégulières, large, peu profonde, flexible, très mobile. Germe exigeant, microaérophile, sa culture est possible mais difficile sur des milieux complexes utilisés pour la culture des tissus. Les germes poussent en 4-6 jours, parfois plus tardivement en 2-3 semaines. Spirachet transmise par la tique Borrelia Dutoni, Uzbekistanica, Persica, Caucasica et autres. Ils sont différents des structures antigéniques. Maladie de Lyme provoque Borrelia burgdorferi, articulation, lésion articulation, Borrelia garni, central nervous system et azélie qui donne lésion de peau. Ils sont aussi différents de la structure antigénique. En 1977, une épidémie de borreliose en 1981, découvert l'agent causal. Ici, nous pouvons voir la structure de ce agent. La structure de la Borrelia. La maladie de Lyme a généralement trois phases chez le patient. Première, une éruption rouge expansive ressemble à un œil de bœuf se produit sur le site de l'infection après 3-30 jours. Environ 80 des patients
en interruption qui dure pendant plusieurs semaines. Deuxième, symptômes neurologiques, par exemple méningite, encéphalite, neuropathie, dysfonction cardiaque et d'autres. Et troisième, la phase finale, vue dans près de 80 des patients, est caractérisée une arthrite sévère qui peut durer des années. La maladie de Lyme est rarement, sinon jamais mortelle. Nous pouvons voir Borrelia dans le sang. Le réservoir de maladie de Lyme très vaste, de nombreuses espèces mammifères, d'oiseaux sauvages et domestiques, souris, chiens, chevaux. Les vecteurs tiques, les tiques. Les tiques du genre Exodes sont les vecteurs de la maladie de Lyme. Nous pouvons voir ce mécanisme de transmission de Borrelia. De Borrelia. Tic, souris, l'homme. Et pour maladie Lyme, caractéristique lésion locale, syndrome de Rethem vague. Un diagnostic de la maladie de Lyme, généralement basé sur l'observation de ces signes et symptômes habituels, est rarement confirmé par la détection de Borrelia dans le sang. Au lieu de cela, le diagnostic est confirmé par le test ELISA pour démontrer la présence d'anticorps dirigés contre Borrelia. Le test le plus probant aujourd'hui est le test de réaction de chaîne par polymérase, polymérase chaîne réaction, qui est rapide, sensible et spécifique. La prévention de Lyme prendre des précautions pour réduire des risques d'infection, en particulier au mois de mai ou juillet, quand les nymphes se nourrissent. Les répulsifs contenant D, qui est nocif pour les tiques, doivent être utilisés. Et de quoi, dès que possible, après avoir quitté une zone infectée de tiques, les gens devraient examiner soignement leur corps de tiques ou de leur morsure. Le traitement avec un antibiotique, antimicrobien, doxycycline, cefuroxime, cefixon et d'autres. Mais un traitement prolongé avec aux antibiotiques, avec la plus grande dose, peut être nécessaire. Leptospira, c'est son spirochète, gram négatif, cause leptospirose. Les taxonomistes actuellement pensent que toutes les souches appartiennent à une seule espèce, Leptospira interrogans. L'épithète spécifique interrogans fait allusion au fait que l'extrémité de l'espirochète est en forme de crochet qui rappelle un point d'irrigation. Il s'agit d'une zoonose généralement acquise pour l'homme pour contact avec urine contaminée directement dans l'eau et sol. Les chiens, chats, nombreux mammifères sauvages peuvent être porteurs de ce spirochète. Le spirochète peut également survivre dans les ruisseaux, les rivières, les lacs. Les bactéries vivent dans le tubule circumvolu des reins et sont excrétées dans l'urine. Propriété morphologique, dimension
Micron, dus à 18 petits boucles, primer serait dans le frottis, chapelet, obren, perle, bouclé secondaire en forme de si, S et si. Spore les capsules non pas et deux flagelles périplasmatiques, très mobiles. Nous pouvons voir un S, forme un S, leptospirale. Après période d'incubation de 12 jours, la leptospirose se manifeste habituellement par une fièvre brutale, myalgie, douleur musculaire, raideur des muscles et céphalée. La moitié des patients développent des nausées, des vomissements, diarrhée, un tiers ont tout sèche. Dans la plupart des cas, une fin de la maladie se produit dans 2-3 semaines. Cependant, 5 à 30 des cas non traités s'arrangent et mènent à la mort en raison d'insuffisance rénale, hépatique, méningite et une détresse respiratoire. L'étaspire aux environnements sensibles au soleil, température élevée, séchage, désinfectant. Mais stocker longtemps dans un sol marécagé jusqu'à 200 jours, il peut survivre. Le schéma de leptospirose, les animaux avec l'urine contaminent le sol, produits alimentaires, et les humains, les gens qui contactent avec ces produits, ils ont la maladie, leptospirose. Leptospira n'y attache pas bien le collection de grammes. Un test d'anticorps spécifique révélant la présence du spirochète dans le prélèvement sanguin et urine. Leptospira intragans peut être cultivé pour le diagnostic, généralement basé sur le test d'agglutination sérologique et la démonstration visuelle des spirochètes dans l'urine, le sang ou le liquide céphalorachidien. Medium ou lingoud utilise pour développer leptospira. Prévention, c'est non spécifique. Prévention, protection d'éviter sources de naturelles qui sont fréquentes contaminées par leptospira. Traitement par les antibiotiques, amoxicilline, doxycycline et d'autres. Ampicilline intravenous traite les infections graves. Ici, nous pouvons voir leptospira. Et la fin de notre conférence. Merci pour votre attention.